Arrivé mi-août à Dijon, le Slovaque Michal Dian ne s'attendait pas à ça. Venu pour jouer au hockey dans l'équipe des Ducs, il se retrouve sans salaire dans une équipe qui ne peut plus jouer aucun match. Aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il va devenir. On essaie de contacter notre président, mais comme j'ai attendu, il ne répond personne. Mais pour l'instant, on ne sait vraiment pas ce qui se passe et comment on continue. Le nouvel attaquant de l'équipe de hockey s'est pris au sens propre comme au sens figuré, une douche froide. Dans son logement mis à sa disposition, pas de chauffage ni d'eau chaude. On fait douche à vestiaire après l'entraînement, mais si je voulais faire la douche, je fais avec de l'eau froide. On est très loin des images auxquelles on est habitué, celles de l'équipe des Ducs. 15 ans au plus haut niveau du hockey français avec deux Coupes de France en 2006 et 2012. Désormais, les joueurs de hockey sont devenus les spectateurs impuissants de leur destinée. Témoins de leur désarroi, des supporters se mobilisent, à l'image de Sophie, bouleversée devant la situation. J'ai décidé de lancer un appel sur Facebook avec les supporters. Je leur ai demandé de l'aide. Voilà, et je leur ai expliqué que les joueurs avaient besoin d'eux, que les joueurs avaient besoin de nous tous, qu'on devait se mobiliser pour arranger leur quotidien. Mise en place d'une cagnotte en ligne, organisation d'une soirée et d'un match de soutien, les initiatives se multiplient. Concrètement, ça nous permet déjà de ne pas avancer tout seul dans cette situation-là. Et on sait qu'on a des personnes sur qui on peut compter ou se tourner. Contacté par téléphone, le président du club annonce que des décisions seraient prises en début de semaine prochaine pour régler la situation. Mais que pour les joueurs, la meilleure solution reste de trouver un nouveau club.